Ça, c'est le Moïna Bikasala, l'acteur principal qui va jouer, qui va danser, qui va. C'est génial. Celui-là, celui qui amène les Tchondo, il vient. Celui qui amène les Mamadi Tomba, il vient. Celui qui, alors, il constitue un orchestre. Les autres commencent à jouer. Par exemple, ils jouent à 4 heures. Le Moïna Bikasala, l'acteur principal qui va jouer, qui va danser, lui, il est toujours caché quelque part. Qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il fait Moudicham. Pour qu'il soit en condition. Les autres commencent à chanter. Peut-être pendant une heure, là, ils jouent. Ça, c'est le tam-tam à déplacer. Alors, le moina modimba, l'autre instrument qui est accroché au cou là. Alors, à un moment donné, le chanteur principal, là, il sort. Peut-être il a une lance à main, il exhibe quelques gestes là et les gens se mettent à crier. Il fait un geste. Et pendant qu'il fait un geste, les instruments en même temps font. Chers amis, vous voulez que je vous dise quelque chose? Non. Si, voilà. Alors, ils dansent. Et les femmes qui sont autour là font les mokondoulis là, milolo. Hein, tu connais ça? Oui. Chez nous, on les fait très bien. Hein, il y avait de ces vieilles femmes qui savaient faire ça. C'est pas ce que vous entendez avec ça, cela c'est rien ça. Alors une vieille femme du village qui sait faire ça, elle peut même vous faire pleurer. Parce que le mikondoulou là, elle va, c'est toute une musique. Elle va varier les tons. Et les tons, les sons vont vous chercher. Les sons là sont des sons qui vous communiquent un message. Alors quand il danse cette lance-là, il s'arrête. Et il commence, par exemple, il entre dans la partie plaisanterie. Il dit, par exemple, vous savez comment une sorcière qui a déjà mangé un enfant, sa technique pour cacher son forfait. Les gens disent non. Les gens lancent le cri, wakabole, hein. Le wakabole, c'est un nom qu'on lance à un crocodile quand il a attrapé un homme. Hein? Quand il attrape, il les noie. Hein? Mais les gens crient, wakabole, montrez-nous. Le crocodile soulève la tête avec sa proie. Alors lui aussi, quand il pose la question, est-ce que vous savez comment un sorcier cache son mal? Les gens disent non, Wakabole, il n'y a que vous qui savez cette histoire-là, racontez-nous. Alors il va créer un suspense pour que vous attendiez encore. Alors il interrompt encore. Alors en plus, il dit bon, la sorcière qui a mangé l'enfant va être extrêmement gentille. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pendant que le père de l'enfant est en train de pleurer, alors il va imiter même le père de l'enfant. Bon, chez nous, le deuil, là, les gens achetaient les noms, se jetaient par terre, c'est pas comme ici, là, vous pleurez dans vos mouchoirs, là, en vous cachant. Non, chez nous, c'est le deuil. Les gens sortent d'eux-mêmes, il y en a même qui tombent par terre, il y en a qui disent non, moi je ne vivrai plus, je vais mourir, je vais partir avec mon enfant. Parfois on pleure jusqu'à la fatigue. Alors la sorcière est préparée, et ça c'est toujours lui qui raconte ça. Et pendant qu'elle amène à manger, la musique joue. Et la compagne dansait, ce qu'il la raconte, c'est comme un poème. Et
Mama moloji udwanga tebyali dia pom pom uyana bi pom pom uteka pa mesa bo et le père de l'enfant il dit non kahina hinga na na bi donc kapinga il rentre avec des affaires je suis très triste je ne peux pas manger. Alors les moloji la sorcière insiste, oh, la mort c'est pour tout le monde, mais tu as pleuré, mange un peu, aie le courage de manger. Non, il continue toujours à dire non, rentre avec tes affaires. Ben, comme il a mis le kabobo, c'est le poisson fumé, hein, c'était adoré par les Bokakalonji. Le kenyumutenge, là, ça c'est un autre aliment là. À manger qu'elle amène là, c'est une recette spéciale. Alors, au moment de quitter, elle ouvre. Alors, le père qui a perdu son enfant, qui pleure, qui est triste, elle regarde. Alors, il est maintenant tenté. Alors, pendant que Kavinga est en train de rentrer avec ses affaires dans la maison, là, donc elle revient. Alors, et quand elle vient pour déposer, la musique l'accompagne aussi. Hein, c'est vraiment génial, génial. Alors quand il mange, il continue toujours à pleurer. Alors c'est le délire autour, parce qu'il l'a dit. Il dit des choses tristes, mais ça devient tellement humoristique. Les gens ricolent jusqu'à avoir mal. Alors, quand il change ça, il la raconte. Les histoires de Baluba, comment ils sont arrivés, comment. Et à un moment donné, il interrompt et il quitte pour aller se cacher dans sa cage. Et l'orchestre continue à jouer, et puis à un moment donné, l'orchestre s'arrête.